n'a pas entendu parler du nouvel ordre mondial? Quel économiste n'évoque pas une finance mondiale? On nous dit que sans cette gouvernance mondiale, l'avenir n'est pas possible. Derrière toutes ces déclarations, que se cache-t-il véritablement? Certains disent les francs-maçons, d'autres les Illuminati, et certains vont jusqu'à prononcer le mot extraterrestre. Mm-hmm. Pour bien comprendre tout cela, j'ai appelé l'homme des secrets. Je dirais même du top secret. Rock Soccer, salut Rock. Oui, bonjour Bob. Comment ça va? Ça va bien. Bon, ravi de t'accueillir une nouvelle fois, Rock. On va évoquer, bien sûr, ce nouvel ordre mondial qui fascine, qui déroute et qui fait peur à certains. Alors, à partir de quand on a commencé à parler de ce nouvel ordre mondial et qui est à l'origine de l'affaire? Qui a révélé l'affaire d'abord, Rock? En fait, celui qui a révélé l'affaire, le plus grand ennemi, le farouche ennemi du nouvel ordre mondial, était un journaliste canadien. Il s'appelait Serge Monast. Ah. Et c'est lui qui va vraiment dénoncer l'agenda entre guillemets Illuminati, hein, puisque là dans l'émission on va parler d'un sujet un peu culte de Bien la sûr. Conspiration, qui est le programme Bluebeam. Et ce programme Bluebeam a été révélé au début des années 90 par ce journaliste. Ouais. Alors c'est vraiment une figure, hein, c'est une figure incontournable de la conspiration. Il faut savoir qu'il est mort en 96, ouais. Quelques années seulement après avoir fait ses révélations. Naturellement ou un accident ou... Alors il est mort, il avait 51 ans et il est mort dans des circonstances assez douteuses, on va dire, et on a parlé de crise cardiaque. Évidemment, là, on est aussi dans le... C'est cultissime par rapport à la conspiration. C'est tragique, c'est la mort d'un homme. En plus, il est jeune, 51 ans, et il va mourir d'une crise cardiaque alors que c'est quelqu'un qui va avoir dénoncé le premier, hein, il faut savoir, le premier, même avant, je crois, même avant les anglo-saxons, le programme de la puce électronique, vous savez, l'implant... Bien sûr, RFID La RFID. Ouais. Et donc c'est ce bonhomme-là. On est dans les années 90. On est dans ces figures des années 90. C'est vraiment les premiers révélateurs de la conspiration. C'est des gens hyper informés, journalistes et qui ont des réseaux très haut placés qui vont leur parler de programmes nés dans le cerveau d'employés d'officiers de certaines officines. Oui, on s'aperçoit que dans ces cas-là, la crise cardiaque, elle a souvent bon dos, hein, quand même. Ouais, hein. Elle marche bien. Hein, c'est vrai qu'il y a quelques cas comme ça de personnes qui ont un peu trop parlé, et soit c'est la crise cardiaque, soit c'est le cancer dans les deux ans. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, classique. On parle de nouvel ordre mondial. On va écouter. J'ai sorti pas mal de déclarations d'hommes politiques concernant ce nouvel ordre mondial, parce que je me suis aperçu que c'est vrai qu'à partir des années 90, on commence à évoquer de plus en plus ce nouvel ordre mondial. On voit des gens aux quatre coins de la planète évoquer ce nouvel ordre mondial. Et puis, côté français, bien sûr, on n'est pas en reste, avec notamment, tiens, Nicolas Sarkozy en 2008. C'est le 23 octobre, il est en meeting, et écoutez ce qu'il dit. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du 21e siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Alors quand on entend ça, moi je suis spectateur de ce meeting, bon j'y étais pas, hein, mais en tout cas je me dis, tiens, le mec se dit que on ne peut pas aller contre la mondialisation, il va falloir que l'on se serre les coudes. On se dit au début, tiens, c'est pas mal finalement, il va falloir faire tomber les frontières, les dogmes, etc., puis on va avancer. Et puis, c'est beaucoup plus machiavélique que ça. Effectivement, donc on a vu depuis les années début 90... pas mal de chefs d'État, ça a commencé avec Bush senior, mais ensuite son fils Obama aussi, le pape lui-même, et puis Sarkozy à plusieurs reprises. Une première fois, un discours aux ambassadeurs, il avait annoncé donc le nouvel ordre mondial en disant que nul ne pourrait y résister. Ouais, c'est ça. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ne pourra résister au nouvel ordre mondial. C'est un peu comme un code, comme une marque du plan Illuminati, une signature subliminale. Ouais, c'est comme ça que, en tout cas, le conçoivent les conspirationnistes. Et Serge Monast, qui a été le premier à révéler tout ça.
C'est incroyable parce que, à côté de ça, quand on sort du cadre, genre c'est bien pour vous, on est tout de suite taxé de complotiste. C'est-à-dire que, voilà, on est dans la théorie du complot. Et alors c'est assez marrant parce qu'on a la sensation aussi qu'il y a une certaine catégorie de journalistes qui adhèrent complètement à ce nouvel ordre mondial. Hein. Bien sûr. Alors en plus, le terme complotiste, c'est un nouveau terme qu'ils ont inventé, ouais. Hein, parce que normalement c'est conspirationniste à la base, mais c'est une façon encore plus de réduire encore plus les gens qui se posent des questions, si vous voulez, sont des complotistes. Ouais. C'est vraiment le niveau encore en dessous du dessous. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, hein, quand on entend la première fois le mot nouvel ordre mondial, on se dit bon, peut-être une fraternité mondiale. Ben oui, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Ouais. En fait, il s'agit d'une dictature mondiale implacable qui se sert de la technologie, c'est-à-dire que il faut imaginer un dictateur comme on en a toujours connu dans l'histoire humaine, ouais. Mais qui bénéficierait des technologies les plus abouties, les plus en avance. Aujourd'hui, ça voudrait dire que c'est un monde aseptisé qui serait créé en très peu de temps, ouais. Avec une humanité réduite à l'état de robot qui perdrait définitivement son libre arbitre. Hein, c'est-à-dire que c'est 1984 d'Orwell, ouais, avec un mélange de monde parfait. Oui, c'est Big Brother, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on n'est plus du tout. Enfin, il n'y a plus grand chose de bon à attendre de ce genre de nouvel ordre mondial, si tu veux mon avis. Et alors, on n'est pas dans le monde, dans le nouvel ordre mondial des bisounours. Ouais, c'est ça. Et pour ça, il faudra repasser, quoi. Alors, ce soir, jusqu'à 23h avec Rock Soccer du magazine Top Secret, nous parlons du Bluebeam Project parce qu'on va le détailler, ce projet, ce nouvel ordre mondial. Celui qui a révélé cette affaire, Rock, tu le disais, c'est Serge Monas, donc ce Canadien. Il a défini ce projet en plusieurs phases, lui. Absolument. Hein, donc, le projet Bluebeam, donc, son objectif, c'est d'aider à l'instauration d'une nouvelle ordre mondiale. Et pour ça, le nouvel ordre mondial, dont on parlait il y a 5 minutes, il va avoir besoin d'une philosophie commune à tous les peuples. Et en fait, de philosophie sera une religion. Parce qu'on ne connaît rien de tel pour tenir les masses qu'un bon culte religieux. Et ça marche comme ça depuis des millénaires, il n'y a pas de raison de changer de méthode. C'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Et l'instauration de cette religion nouvelle, c'est le secret, c'est l'articulation principale du contrôle mondial. Ouais. Sans ça, il n'y a pas de nouvel ordre mondial possible. Et donc, pour imposer cette religion, la méthode, c'est l'opération Bluebeam. C'est un programme qui a déjà commencé dans la première phase qui était dénoncée par Serge Monast a déjà commencé. C'est une phase psychologique et cette première phase, c'est la remise en cause de l'ordre ancien. C'est la remise en cause des valeurs, des connaissances scientifiques, mais ça passe aussi par des découvertes archéologiques qui vont montrer l'erreur, la falsification des doctrines du passé. Non mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là encore une fois, si je prends le bon côté de la chose, je me dis finalement ils vont peut-être expliquer qui a fait les pyramides, l'île de Pâques, etc. Très peut-être. Juste. Eh oui. Très juste. Bah exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il faut effectivement, on va apporter de la vérité là en l'occurrence, on va dénoncer des choses, mais c'est pour mieux vous retourner la tête. Ouais, c'est ça. Et là, le but c'est la remise en question profonde de la croyance traditionnelle. Le cinéma c'est un très bon vecteur pour faire ce boulot de cette première phase psychologique. Alors on peut penser à des films comme pour nous les chrétiens. Pour les chrétiens, ça va être les films comme Le Tombeau. Ouais, génial. Encore le David Chicod. Alors, Le Tombeau, c'est avec Antonio Banderas, je crois, hein, c'est absolument, ça. Absolument, absolument, où il découvre la tombe d'un personnage qui aurait été Jésus, enfin, ouais, etc. Et donc ça démontre. Enfin, et on va pas raconter le, on va pas spoiler, comme on dit, mais et puis alors il y a le Da Vinci Code, qui est aussi dans ce registre-là, mais il y a dans la vraie vie, il y a des découvertes archéologiques, des découvertes de d'évangiles apocryphes, etc. Ouais, c'est toute une remise en question des traditions et des religions anciennes, ouais. Bon, qui sont en réalité qui procèdent d'une préparation psychologique
des populations. Hein. Cette phase-là, elle est bien avancée en Occident, ouais. Et ces notions, elles sont présentes, peut-être subliminalement par rapport à l'ensemble de la population qui préfère s'occuper de football ou de choses comme ça, mais elles n'attendent plus que l'événement pour prendre racine et pour prendre sens dans la tête des gens. Ouais. Hein. Bah, alors, en tout cas, on va continuer à parler de tout cela, Rock, dans quelques instants, juste après la pause. Il y a pas mal de questions qui arrivent, mon Elliot, sur la page Facebook. Ah oui, il y a une question pour savoir si effectivement dans le projet Bluebeam, il n'est pas prévu de réduire la population sur Terre, passer de 7 milliards à 2 milliards, on nous dit. Alors ça, Rock, quel est ton point de vue là-dessus? Ça fait partie, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de nouvel ordre mondial, ça fait partie donc du programme du nouvel ordre mondial. C'est un plan qui se décline sous plusieurs appellations. C'est qu'on n'est pas vraiment à proprement parler dans le domaine du Bluebeam, mais on est dans le domaine du nouvel ordre mondial, puisque comme je vous disais, avec la technologie, rien de plus facile que stériliser une population via l'alimentation, via des programmes alimentaires ou de la vaccination, etc. Et auquel cas, vous avez votre population qui va se réduire naturellement. Si vous voulez y aller plus brutalement, plus rapidement, vous avez des épidémies, etc. Enfin, c'est ce que j'ai appelé la dictature aseptisée. Ouais, ouais. On rentre dans une dictature où il y a très peu de gens qui vivent un peu dans des trucs sous cellophane, très propres, très machin. C'est le meilleur des mondes. Alors, Rock, je te propose d'écouter François Hollande cette fois-ci, qui est depuis un an et quelques semaines maintenant notre président de la République. Et voilà ce qu'il disait en université d'été au PS, c'était en 2008. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années, les socialistes, mais pas simplement les socialistes, tous ceux qui ont une conception multilatérale voilà. De l'organisation du monde. Voilà, et voilà, une organisation unilatérale, en fait, voilà, une pensée unilatérale. C'est-à-dire que c'est ça qui fait un peu peur, parce que moi, on m'a toujours dit que les différences étaient quelque chose de positif, non? Bah oui, mais attention, Bob, hein, tu vas finir par devenir un conspirationniste. Hein. Moi j'observe, hein, moi je sais, j'expose et les gens disposent, tu le sais bien. Je suis exactement dans cette démarche, mais oui, c'est ce que moi je fais ce constat-là tous les jours. C'est vrai que il y a vraiment deux discours, quoi. Il y a ce qu'on observe dans la réalité, et c'est la direction que prend le monde. On se rend compte que l'Union européenne, si on analyse son fonctionnement, ça ressemble, et on en parle d'ailleurs dans Top Secret, ça ressemble vraiment de plus en plus à une étape obligée vers ce nouvel ordre mondial, vers cette dictature mondiale. Enfin, donc il y a énormément à réfléchir, à penser là-dessus. On a vu que c'était une remise en question de l'ordre ancien, des philosophies anciennes, des doctrines et même des connaissances scientifiques anciennes. Mais il faut aussi voir qu'il y a une nouvelle philosophie qui est derrière, qui a été aussi amenée, hein, donc celle du discours politique, mais aussi, pour revenir au Bluebeam, un discours plus philosophique, plus religieux, qui va être véhiculé par toutes les idées New Age qui ont eu cours depuis 30 ans, qui se répandent à travers le monde, hein, à travers les continents. Et alors c'est les idées des frères de l'espace qui prennent soin de nous, qui arrivent pour nous sauver, si vous voulez. Ouais. Et donc ces idées New Age, elles aussi depuis 30 ans, 40 ans, elles ont fait leur chemin. Elles ont été imaginées, favorisées par des officines secrètes, hein, ouais, il faut le savoir. Ouais. Et là aussi le cinéma a joué un rôle important. Donc dans cette nouvelle philosophie qui est en germination, si tu veux. On a le film Prométhéeus, par exemple, qui prépare bien les populations à l'idée des dieux extraterrestres. Et ben voilà, même si dans le film, en l'occurrence, les extraterrestres sont des méchants, ce sera pas le cas dans le programme Bluebeam. Je vous conseille d'ailleurs de voir ce film, qui est pas un très grand film, en tout cas, il est intéressant, c'est vrai, parce que il permet d'avoir une certaine philosophie. Alors, dans la deuxième phase de ce projet Bluebeam, révélé et répertorié par Serge Monas, qui a été le premier à évoquer ce Bluebeam Project, il y a quelque chose qui est assez déroutant, c'est la projection holographique. Et c'est pour ça qu'on a dit que la NASA pourrait être derrière également, ou en tout cas partie prenante de ce Bluebeam Project.
Bien sûr, toutes ces agences-là qui sont des agences militaires, hein, la NASA, faut pas oublier quand même que 80% de ces, 90% de ces, ces opérations sont quand même des opérations militaires, sont partie prenante dans le programme Bluebeam. Tout ce qui est au plus haut niveau scientifique, c'est le programme Bluebeam. Enfin, seront en charge de ce programme. La seconde phase dénoncée par Serge Monnad, c'est le choc. C'est-à-dire, c'est une gigantesque mise en scène spatiale, effectivement à l'aide d'hologrammes optiques et puis sonores. Et tout ça en trois dimensions. C'est une projection laser d'images holographiques en divers endroits du monde. On a vu hier, avec la révolution en Égypte, les gens avec les lasers, qui éclairaient des hélicoptères dans le ciel. Il faut imaginer ce que ça peut être comme laser quand c'est entre les mains de la NASA, de la NSA et de gens comme ça. Et en fait, quelles sont les images qu'on va avoir? Parce que si on décide de nous balancer des hologrammes, donc des projections holographiques, c'est pourquoi? C'est pour qu'on voit Dieu, pour qu'on voit un messie? Absolument. Ah bon? C'est un son et lumière qui va être disposé dans la haute atmosphère, toujours selon Serge Monnad. Mais il faut voir ça, c'était dans les années 90. Les gens l'écoutent. Ils avaient des yeux ronds, ils disaient mais il est fou ce gars. Et donc, visible depuis le sol à des centaines de kilomètres à la ronde, puisque c'est dans la haute atmosphère, vous avez l'écran qui est très très haut, tout le monde voit ça. Personne ne peut manquer le spectacle. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va recevoir, chacun en fonction de son pays et de ses croyances, va recevoir une image en accord avec la foi dominante de son pays. Et oui, mais alors moi, il y a un truc. Bon, je vois qu'aujourd'hui encore, bon, il y a quand même des tensions dans le monde. Est-ce que toutes ces tensions vont disparaître? Est-ce que ça voudrait dire que déjà derrière toutes ces tensions, c'est un peu un leurre et que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des réunions sous le manteau dans lesquelles on fomente déjà l'avènement de ce nouvel ordre mondial? On sait bien que, enfin là je n'ai pas les réponses par rapport à ça, mais on sait bien qu'une des grandes théories par rapport à la conspiration, c'est qu'il faut créer des crises pour pouvoir apporter des solutions. C'est le système action-réaction. Ah ouais, d'accord. Et donc forcément on peut supposer que certaines crises soient en fait provoquées artificiellement. Pour pouvoir apporter la solution qui convient et qui est dans l'intérêt de cette élite mondialiste. Alors là, on est vraiment dans la théorie du complot, c'est-à-dire qu'on fait, on rend malade le monde pour lui trouver en fait le médicament. Ça peut fonctionner comme ça. Mais peut-être que dans la vie, on peut se comporter aussi comme ça au quotidien sans même s'en rendre compte. Après, vous savez, il y a des gens, c'est leur travail d'imaginer toutes sortes de choses. Et tu penses qu'on sera psychologiquement, toi tu dis que le cinéma aujourd'hui est en train justement de nous envoyer un peu comme quand on parle d'extraterrestres, des infos pour nous mettre dans un état de réceptivité optimum? Absolument, on peut penser qu'il s'agit effectivement d'une préparation psychologique. La graine est plantée, après les circonstances peuvent la faire germer ou pas. Hein, si vous imaginez le spectacle haut en couleur, le son et lumière auxquels les gens vont assister, il faut comprendre qu'ils entendront la voix de Dieu. Qui parlera dans toutes les langues. Et chacun entendra clairement le message. Alors, s'il y a des tensions, on leur dira maintenant, il faut vous embrasser les uns les autres, ou que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a quand même. Il y aura toujours des gens. Ça me fait toujours penser au film, tu sais. On se souvient, je crois que c'était même dans Highlander, où il y avait une population qui vivait sous terre, etc. Dans tous ces films, tu sais, où tu as toujours un clan de rebelles qui ne veut pas se soumettre au diktat. Et on a la sensation qu'aujourd'hui, les gens qui réfléchissent un petit peu, qui voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez, ils vont refuser ça quand même. Alors, ça va être très très difficile de ne pas céder à cette séduction. D'abord, il y aura la masse, 95% des gens qui seront à fond là-dedans. Hein. C'est le show spatial, les projections d'images, etc. Ça va être utilisé pour simuler la fin des temps. Parmi les nations. Donc, faut imaginer le choc. C'est ce que les peuples seront témoins de scènes qu'ils attendent depuis des siècles. C'est-à-dire, c'est des scènes représentant les prophéties de toutes les religions et les événements que chacun a eu comme rêve. C'est-à-dire le retour du Messie, etc. Tout ça sera
projeté grâce à un vaste réseau de satellites. Et franchement, ça va être très dur pour les 5% de personnes qui ne sont pas dupes d'expliquer aux gens, mais attendez, tout ça c'est du bidon, vous l'avez expliqué avec le Blue Beam. Si jamais ça arrive, parce que la révélation ultime de l'affaire du Blue Beam, si ce programme-là a vraiment lieu et vraiment déclenché un jour, c'est que Dieu et les anges sont en réalité des entités extraterrestres qui ont favorisé l'évolution de l'humanité depuis le commencement des temps et qui ont guidé l'homme depuis la fondation des premières civilisations et la création des premiers cultes religieux. C'est une révolution dans la tête. Alors, évidemment que ça sentira l'arnaque, mais ce sera très difficile de résister parce que ils vont pas faire ça n'importe quand. Ils feront ça à un moment où l'humanité aura connu une période traumatique. Oui, c'est ça, mondiale, guerre. En quoi? On peut imaginer quoi dans les 20, 30, 50 prochaines années? C'est quelque chose comme ça pour que tout le monde soit. Ça peut être plus rapide, mais. Donc on risque de le vivre, nous, encore. Ouais, on peut supposer qu'on puisse le vivre. Oui, c'est peut-être une question de décennies. Si jamais ces gens-là décident d'aller au bout de leur programme. Les choses peuvent encore changer, rien n'est inéluctable. Mais en tout cas, s'ils le font, ils le feront vraiment après une crise terrible et sous le choc, les populations accepteront comme logique ce qui leur a toujours paru inconcevable. Et puis, après, les gens déchanteront, mais dans un premier temps, ils prendront la main qui leur est tendue. Et pour t'expliquer à quel point ce sera difficile, c'est qu'il y a le troisième effet qui se coule, la troisième phase de ce programme, là, qui est le coup de grâce, c'est que les gens entendront des voix à l'intérieur de leur conscience, c'est-à-dire qu'ils auront l'impression que Dieu leur parle directement dans la tête. Oula. Cette technologie, le pire, c'est qu'elle est peu connue, mais elle existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une machine qui nous envoyait des messages télépathiques. Voilà, c'est l'ultime machine à miracle. Les systèmes d'émission de réception et les ondes ELF, VLF et ELF peuvent atteindre chaque personne à l'intérieur de sa conscience. Et donc, la personne qui sera touchée par ce phénomène sera persuadée que c'est son propre Dieu qui lui parle et qui lui donne des ordres depuis les profondeurs de son âme. Va-t'en toi après lui dire, mais non, tu sais, c'est Blue Beam, c'est une connerie. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, c'est flippant. C'était la caméra cachée. Tu peux faire entendre, comprendre des messages par audiogramme, à pulsion micro-ondes auditive directement envoyées dans le cerveau. Tout ça, c'est scientifique, ça existe, ces expériences datent des années 70. Alors, ça paraissait en 70 de la science-fiction, mais aujourd'hui, ça ressemble encore à de la science-fiction. Et pourtant, ces technologies qui sont peu connues sont entrées dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on s'en sert même de façon ludique. C'est fun, c'est rigolo. Il y a des opérations publicitaires, commerciales, où t'as des passants qui passent sur le trottoir, ils sont tout un groupe, et la pub choisit un secteur de 30 cm situé sur le trottoir, et il y a que la personne qui passe à cet endroit-là qui va entendre le message publicitaire. Alors, tous ses voisins, les autres, qui sont à un mètre de lui, n'entendront rien. Et le type entend ça à l'intérieur de sa tête. Hundreds of people in the valley say they are hearing voices in their heads. And those voices are being transmitted by microwave or other methods. Well, several viewers asked us to investigate what they call electronic harassment. KMIR6's Angela Monroe joins us now with what she's discovered. Angela. Electronic harassment, synthetic telepathy, voice-to-school technology. Chances are you haven't heard of these terms. But after searching the internet, I found dozens of websites dedicated to the phenomenon and several Valley residents who say they're victims. How much more can you invade me than to go into my brain? It sounds like somebody else is reading the book, only it's thoughts. We're not having a group hallucination. This is actually something that's happening. These men all live in the area, didn't know each other before the voices started,
and say someone is playing mind games with them. Mostly it's a lot of derogatory comments about whatever you're thinking about. Kevin Bond says he used to have a normal life. I was living in the San Diego area. I was clerking for a federal judge, and I noticed that I was being followed by a whole bunch of people. According to the websites, what Bond is describing is called gang stalking. He moved to Palm Springs to escape. I started hearing, as you'll hear, hearing voices and what they'll call voice to skull or microwave hearing. Bob Stansfield says his experience was similar and started a decade ago. They were active and following me around here, and I started hearing the voices a little bit after the vehicular stalking. Randall Ringer says the voices started when he was undergoing chemotherapy. The first thing that was said was, "Randall Ringer." And I sat up straight and I went into the bathroom and I looked in the mirror, looked myself in the eyes, and I said, did that really happen? Bond says he's found more than 300 victims locally and is tracking others across the state through billboards. In Johnson Valley, a Freedom House just opened to help people who believe they are being targeted. To many of you who find yourselves the object of covert harassment, that there is hope and that you are not alone, and that we are striving to find legislation and we're working towards freedom for all. Derek Robinson leads a national group called Freedom from Covert Harassment and Surveillance. He says he knows who's playing mind games. Rogue government officials that are sponsoring this. Also corrupt business officials and private citizens. And he also told us how. Most of it is delivered by microwave, and I believe it's satellite delivered. Bond says neurotransmitter chips that run off body electricity have been inserted into some people. And they assign cell phone numbers to them. The cell phone numbers are then run through a computer, and a computer translates your thoughts. This crime has been available to the military for 60 years. Ça c'est des coups de pub qui ont été faits aux États-Unis, ouais, qui montrent bien que cette technologie, elle existe, je n'invente rien, et menace n'inventer rien. Et puis lui, et puis d'autres scientifiques, il y a même un prix Nobel, Baker, qui a parlé de ça dans un livre des années 70. Mais vous imaginez la possibilité qu'offre ce genre de ouais, technologie non, en termes de simulation de miracles. C'est terrifiant. Tu imagines, Bob, le nombre de Jeanne d'Arc qui va y avoir demain. Ah, bien sûr. Pour le coup. Rock Soccer est avec moi ce soir du magazine Top Secret. Rock, c'est à la fois fascinant et à la fois effrayant, ce Blue Beam Project. Fascinant parce que on s'aperçoit que technologiquement, on est à un stade et on est allé très très loin dans la manipulation. Tu sais, j'écoutais une station d'info ce matin qui évoquait le Human Brain Project. On est en train aujourd'hui de recréer un cerveau avec la conscience. Tu sais qu'on a les imprimantes 3D aujourd'hui. Mm-hmm. Ouais. Et donc on est en train de recréer un cerveau avec de la conscience. Ça veut dire que demain on risque d'avoir un robot avec un vrai cerveau et qui va nous parler. Voilà, et qui va réfléchir surtout, qui va pas que parler, qui va réfléchir. Donc on se dit que technologiquement on sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Et si on arrive à faire ça, alors pour le coup, on va créer un dieu qui pourra nous parler, agir et nous faire aller mais comme des moutons là où il veut, hein. Absolument, et puis ce sera quelqu'un qui simulera, qui fera croire qu'il est un dieu. Bien sûr. Et on est arrivé effectivement au niveau des dieux, c'est-à-dire que c'est un peu l'histoire de Babel qui se profile là. Alors quel rapport avec ces fameux Illuminati? Pour terminer avec l'histoire de ce truc des voix dans la tête, là, on n'est pas là pour faire un cours de physique, mais il faut que les gens pensent maillage satellite autour de la planète, ARP, modification du champ magnétique, et donc de la chimie du corps humain. Et tout ça va faire que le jour où s'est déclenchée cette affaire-là, vous avez la chimie du corps humain qui est modifiée, donc l'état de conscience des personnes qui est modifié. Ouais. Vous allez avoir des milliers de Jeanne d'Arc qui vont être placées dans des sortes de transe ou d'extase mystique. Et là, ça va être très chaud pour tout le monde. Donc là, vous rentrerez vraiment dans un monde nouveau et qui va s'appeler le nouvel ordre mondial, qui est le rêve des Illuminati.
Oh, c'est incroyable. T'imagines si j'avais la possibilité de dire à chacun de mes auditeurs, écoute-moi ce soir. Chacun des citoyens français, mais dans le monde, écoutez-moi. Écoutez-moi. Non, c'est, on en rigole, mais c'est vrai que c'est effrayant parce que on sait toujours comment certaines personnes après peuvent utiliser ces technologies et ça fait très très peur. Donc les Illuminati. On a parlé également des Anunnaki, c'est-à-dire que les extraterrestres qui seraient derrière tout cela. Quel est ton sentiment, toi? Quand tu vois ça, tu te dis quoi? Je n'ai que des questions. J'ai aussi des hypothèses, mais ça monte, ça nous entraînerait vraiment trop loin et ça nous éloignerait du Blue Beam. Mmh. Les Illuminati, on va dire que c'est un terme générique. Ouais. Qui veut dire que ce sont des gens qui tirent les ficelles parce qu'ils en ont le pouvoir. Parce qu'ils ont le pouvoir, les moyens, et puis le background. Ce sont, alors on pourrait imaginer que ce sont effectivement des gens qui ont reçu le pouvoir. Si on se réfère au texte ancien, au texte sacré, etc., parce que ils sont de la lignée des extraterrestres, des fameux extraterrestres ou des fameux dieux ou faux dieux qui ont influencé l'histoire des hommes. Et puis je crois qu'il faut vraiment que les gens comprennent, c'est que on devrait tous se poser des questions. Ça fait partie du boulot. On est là pour essayer de chercher une vérité et de rester ouvert et tolérant. Et puis surtout, toujours responsable de nos vies et de notre propre bonheur, et que ce soit pas quelqu'un qui essaye là de la diriger, quoi. Donc tout simplement. Oui, et de nous dire ce sur quoi on a le droit de réfléchir, ouais. Et puis ce qu'il faut laisser tomber. Je crois qu'il faut être fort de ce côté-là, ouais. et décider de soi-même, de savoir quelles sont les questions qu'on a envie de creuser. Pour en revenir au Blue Beam, moi je ne sais pas s'il faut y croire, c'est à chacun aussi de se faire son idée. Mais en tout cas, s'il y a vraiment une volonté d'instaurer de nouvel ordre mondial, ouais. Ça passera forcément par une religion commune. Parce que la religion, c'est vraiment fondamentalement ce qui divise l'humanité. Et il y a même à l'intérieur même des religions, il y a encore des divisions, bien sûr, etc. Bien sûr. Bon, le Blue Beam, c'est le programme pour instaurer cette nouvelle religion. On va continuer à en parler, si tu le veux bien, Rock, juste après la pause de ce Blue Beam Project. On verra également que on va parler de déstabilisation et de fanatisation, peut-être avec l'antéchrist, parce que peut-être qu'il va falloir créer, bien sûr, une religion commune. Mais est-ce que c'est pas le mal qui va reprendre, qui va nous être proposé, ou en tout cas celui qui est caché en embuscade. Vous avez frappé à la bonne porte si vous pensez que l'on nous ment, que l'on nous cache des choses. Ici, j'expose toute la vérité entre 21h et minuit. Et tout à l'heure, du côté de 23h, nous aurons Yannick Lecam pour évoquer, quelque chose d'assez incroyable, le conscient et le subconscient. Ah. Et voilà, il s'en passe des choses dans notre tête. Vous verrez tout cela dans quelques instants. Et puis, en dehors de notre tête, en tout cas, notre tête intéresse beaucoup, beaucoup de monde, et notamment ceux qui sont derrière le Blue Beam Project, puisque il semblerait que avec les nouvelles technologies on puisse influencer nos vies grâce à des messages subliminaux que l'on percevrait. En tout cas, on parle de tout cela avec Rock Soccer ce soir du magazine Top Secret, le Blue Beam Project qui a été pour la première fois révélé par Serge Monas, donc un journaliste canadien. Je disais, Rock, juste avant la pause, que on va parler, on va évoquer bien sûr cette religion commune. Déjà, il va falloir que chacun accepte qu'il n'y ait plus qu'une seule religion. Donc, quel est le travail qui va être fait pour que les gens acceptent tout cela, quand même? C'est quand même assez dingue. Et on a l'antéchrist, parce que ça, c'est quelque chose qui revient énormément quand on évoque le Blue Beam Project. C'est ça qui est amusant, entre guillemets, dans cette histoire de Blue Beam Project et puis de Nouvel Ordre Mondial, c'est qu'en réalité, donc cette dictature aseptisée avec réduction de population, etc., etc., si elle devait avoir lieu, ressemblerait en tout point à ce que nous ont décrit les textes sacrés, les textes traditionnels, les prophéties qui annoncent le retour, qui annoncent l'arrivée d'un antéchrist qui prend le pouvoir intégral sur la planète et qui fait basculer l'humanité dans des heures sombres
dans une ère très sombre de dictature mondiale. Alors c'est ça qui est complètement fou, qui est complètement étonnant dans ce à quoi on assiste aujourd'hui, cette course au mondialisme, etc., où on se dit effectivement, on n'a jamais dans l'histoire échappé à des dictateurs qui arrivaient à un moment ou à un autre. Si demain on a un nouveau Hitler qui arrive, ça va être très chaud parce qu'il aura tous les moyens technologiques pour ne jamais perdre le pouvoir derrière, quoi. Oui, parce que le grand danger, il est là finalement. C'est-à-dire qu'on a eu toujours des dictateurs, mais qui avaient des gens qui se battaient contre lui. Mais là, si on se dit que tous les gens qui sont les plus grands de ce monde vont se mettre d'accord pour finalement diriger la planète, c'est-à-dire qu'ils vont être une dizaine ou une quinzaine à diriger le monde, ça va être l'horreur, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les moyens technologiques et les moyens financiers. Ce ne sera peut-être pas les chefs d'État actuels, c'est-à-dire que ce sont un nouvel ordre mondial, donc de nouvelles personnes. Ceux qu'on a connus seront été les chevilles ouvrières qui auront été amenées à aboutir au nouvel ordre mondial. Ensuite, on rentre avec le Blue Beam, mais là, je peux t'assurer qu'on rentre complètement dans un autre paradigme avec d'autres personnes. Simplement, en parallèle à ça, Serge Bonast expliquait qu'il y avait le programme d'implantation de la RFID. Ouais. Alors la puce RFID, d'ailleurs ça a été voté je crois aux États-Unis, ça y est, c'est accepté, hein. C'est-à-dire qu'en fait au départ c'est pour que chacun ait sous la peau une puce qui lorsqu'elle sera scannée permettra d'avoir le tu sais quand t'es A positif son groupe sanguin, toutes ces informations médicales, hein. C'est ça au départ. Au départ c'est ça, mais Serge Bonast quand lui en parle, il explique bien d'autres possibilités. Bien sûr. Sur cette puce. On peut être localisé partout. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, du coup, on sait ce que vous faites et avec qui vous le faites presque et où vous êtes. Hein. Absolument. Donc à partir de là, surtout si vous avez un gouvernement mondial et que la Terre est unifiée, comme le souhaitent les politiques, à ce moment-là, il n'y a plus nulle part où se cacher. Puisque d'abord, avec l'implant, on sait où vous êtes, et qu'ensuite, vous n'avez aucun pays qui va vous accueillir. C'est quand même... Alors, Mathieu est en train de me dire que ça existe pour certaines boîtes de nuit, c'est quoi ? Ouais, dans des boîtes de nuit, en fait, ils te mettent une puce dans le bras pour que tu puisses rentrer dans le carré VIP, en fait. Quoi ? Ça existe déjà pour les boîtes de nuit, ouais, j'en ai entendu parler à la télé, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça, déjà. Et c'est assez flippant. Tu passes ton bras, comme ça, devant un lecteur, et c'est bon, tu peux rentrer dans le carré VIP. Bien sûr, les gens se font implanter pour ce genre de choses. Bon, on a commencé ça avec les animaux domestiques, hein, vous savez. Plusieurs sociétés privées, dont Aéroports de Paris, ont déjà distribué ce type de badge à leurs employés. Comment éviter le piratage des données personnelles ? Les défenseurs des libertés individuelles crient à l'imprudence et à l'intrusion dans la vie privée. La nouvelle carte sera officialisée en juin prochain. Elle sera obligatoire et payante. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardo, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeu qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 euros. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale.
C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'un an ou deux, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le sigle de RFID. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radio-étiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne, qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radio-étiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. On a le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. Tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître localiser. L'évolution des produits, les localiser, optimiser les stocks, de façon à ce qu'on ait des stocks minimaux, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, permettre d'intégrer des processus de production. Oui, on parle d'un enjeu économique majeur dans la traçabilité des produits. Les réductions des coûts sont considérables. En termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique oui. implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. Et puis de plus en plus, on vous est dans les maternités, pour ne pas perdre les bébés, on place des RFID dans des bracelets, etc. Et dans certaines familles très riches, on propose d'implanter les enfants en cas de kidnapping, ça se fait en Amérique du Sud. Mmh. Et en Inde, le programme d'implantation alors il faudrait vérifier l'information, mais à l'époque il était dans les tuyaux, puisque on expliquait que c'était le seul moyen pour les Indiens d'avoir la sécurité sociale. Pour éviter les fraudes, etc., il fallait que tous les Indiens soient implantés. Et je crois qu'aux États-Unis, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a Obama a fait le programme de sécurité sociale et s'est battu là-dessus, mais dans la loi sur la sécu américaine, ouais. au bout de quelques années, pour continuer à avoir cette prestation, il faudra l'implant. Donc on y va, c'est ça qui est extraordinaire chez Mona, c'est que tout ce qu'il a annoncé à l'époque où on disait ce type complètement dingue, et où lui disait attention, j'ai des informations très sérieuses et j'ai un réseau d'informateurs très 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 bien placé, très privilégié,
on ne le prenait pas au sérieux, mais tout on dirait que son tort, son grand tort, c'est d'avoir eu raison avant tout le monde. Mais moi, c'est ce qui me fait peur, tu sais, c'est que je regarde les films de science-fiction ou d'anticipation, puis on voit souvent que l'anticipation devient quelques années plus tard réalité. Ça me fait penser au film Bienvenue à Gattaca, je ne sais pas si tu te souviens de ce film, où il y a une société comme ça où tout le monde est pucé et on voit à droite à gauche. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Alors, et encore plus dingue ce que vous m'avez dit sur les boîtes de nuit, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui acceptent d'être avec une seringue, on leur balance une puce électronique devant la boîte de nuit. Ouais, c'est ça, en fait. Ils te désinfectent tout le bras. Et puis, c'est un peu épais, en plus. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une. C'est chirurgical, presque. Hein. C'est... Et alors, on accepte que des boîtes de nuit te mettent des trucs dans la peau. Ouais. Oui, on aura, si tu veux, Bob, il y aura toute une émission à préparer sur ce genre de sujet. C'est tout à fait passionnant. Tu vas avoir la tête à l'envers. Ah ouais. Mais ça va très très loin, l'implant, parce que ça peut aussi modifier la chimie du corps humain. Bref, on peut imaginer au bout d'un moment, dans une dictature, que cette puce-là est carrément une programmation et qu'elle implose quand t'as arrivé à l'âge de 30 ans. Auquel cas, là, tu rentres dans le film L'âge de cristal. Hein, puisque L'âge de cristal ne montre rien d'autre. Tu as un diamant dans la main. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film-là, un peu vieux, où ce sont des gens vivent dans une ville qui est à l'abri de la pollution, etc. Mais évidemment, comme la Terre n'a plus de ressources pour nourrir tout le monde, à 30 ans, les gens sont sacrifiés. Ils partent, ils vont dans, je sais plus quoi, le sanctuaire, je sais plus comment on appelle ça, et ils sont sacrifiés. Or, qu'est-ce qu'on a fait à tous les corps humains, tous les bébés qui naissent, on leur met une sorte de rubis dans la main qui clignote, et un jour, boum, ça s'éteint. C'est-à-dire que quand le truc arrive à son l'implant arrive à son terme, ça s'éteint et ça veut dire qu'il faut aller à l'abattoir, quoi. Ouais, c'est juste hallucinant. J'ai vu un film aussi avec, je crois que c'est Justin Timberlake sur, c'est sur le temps en fait. Oui. Le Time large... Out, ouais, Time Out, je crois. Hein. Ça c'est incroyable, ça aussi. Mais c'est exactement, c'est le principe de l'implant. Ouais. Si tu réfléchis bien, l'implant c'est tout ça. Ouais. Ah mais d'un côté ça peut être on peut prendre le côté pratique, par exemple tu peux mettre une puce pour prendre la carte Navigo, ta truc de sécurité sociale, ta carte bleue. Mec on lui parle du nouvel ordre mondial, il me parle de sa carte Navigo quand même, hein. C'est-à-dire que tu vois quand même le Mathieu qui est terre à terre, on est visionnaire, Mathieu, tu vois, on va loin. Ouais, mais ça me fait peur tout ça là. Là, ils raisonnent comme nous raisonnerons la majorité de la population. Mais bien sûr, parce qu'il y a des bons points. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est comme ça que l'implant va réussir à s'implanter, parce qu'on va t'expliquer que si tu as une crise, tu tombes évanoui sur la rue, on pourra lire ton implant en deux secondes, on sait quel traitement te donner, etc. Ouais. Les gens vont se précipitent déjà là-dessus, parce que dans certains pays, c'est déjà le cas. Ouais. Pour les enfants, la peur du kidnapping. Bah oui, fatalement, Et le problème, Mathieu, c'est que le jour où tu as un dictateur qui a pas froid aux yeux, qui est décidé à tout pour instaurer son pouvoir et la dictature mondiale, ce jour-là, l'implant, il servira pas seulement pour pouvoir passer l'autoroute, le péage. Bah, t'imagines les informations qu'on peut t'envoyer dans ton implant. Ouais, non, mais il faut juste être au courant que de toute façon, il y a déjà toutes les informations sur Facebook, dans ton portefeuille, il y a déjà tout. C'est-à-dire Mathieu, on est complètement surveillé. C'est-à-dire que tu es fiché. On peut savoir où tu es n'importe comment. Tu sais que tu fais. Il y a quand même des mecs qui, pendant la guerre, se prennent des missiles sur la gueule alors qu'ils sont dans un chiotte, tu vois, quelque part dans le monde. Ouais. Mais les mecs savent où il est et le missile a été envoyé à des centaines de kilomètres, qu'ils savent où, ce qu'on appelle la guerre chirurgicale. Quoi qu'il en soit, donc t'imagines déjà ce que ça fait. On imagine que si ça. En tout cas, ce soir jusqu'à 23h, c'est le projet Blue Beam qui nous intéresse, ce nouvel ordre mondial. L'application Pow vous dit toute la vérité, est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Android. À 23h, le conscient et le subconscient. On demandera à Yannick Lecam d'ailleurs si notre subconscient va accepter tout cela. Parce que, tu sais, il y a quelque chose qui est très intéressant, Rock, c'est que, est-ce qu'à un moment donné, notre nous va pas refuser ça? Est-ce qu'on va, tu sais, on dit souvent qu'on ne connaît qu'une partie de notre cerveau, mais est-ce qu'à un moment donné, il va pas se réveiller en se disant, mais arrêtez, est-ce que tu crois qu'il va y avoir un réveil?
Il y aura un pourcentage de personnes qui se réveilleront. Après, pour le reste, moi, je ne sais pas. Moi, je me pose des questions quand même sur le fonctionnement des masses, des peuples, la manipulation, jeux à la télé, toutes ces choses-là. Bon, alors, je te parle même pas de l'implant, parce qu'en plus, l'implant, parce que Mathieu oublie, le facteur onde, c'est-à-dire que l'implant émet des ondes, reçoit des ondes, donc on pourra recevoir des ordres, émettre nous-mêmes des ondes. Et tout ça peut modifier la chimie d'un corps. Bien sûr. Non mais lui, lui, c'est le stéréotype du mec qui va être le premier à se faire implanter. Hein. Voilà, donc, c'est pour ça que quand tu me parles d'éveil, alors je sais pas, il faudra surveiller Mathieu, voir Mathieu. Comment non mais lui, il s'endort, lui. Lui, il s'éveille pas, lui, il s'endort en fait. Tu vois, je peux dire, il est dans le moutonnage. Non, en merci, fait, non, voilà, mais, donc, voilà. Non mais je réfléchis un minimum, mais c'est juste que bon, donc, bah voilà, c'est un minimum. Hein. Oui, un minimum. Ah bah oui. Ah, bah, non mais pas trop. Je peux pas. Ah, bah, non. Il réfléchit à un minimum. Mais c'est vrai que, mais en même temps, je peux comprendre Mathieu. C'est vrai que là, on le chagrine. Mais effectivement, t'as raison. C'est-à-dire que tu dis à des parents, vous pouvez éventuellement savoir à tout moment où est votre enfant si on le kidnappe. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des pays en Amérique du Sud où on te kidnappe ton enfant pour rien du tout. Dès que t'as un peu d'argent, donc on peut savoir où il est. On peut savoir effectivement ton groupe sanguin en cas d'accident, tes antécédents physiques, etc., médicaux. Mais en même temps, c'est toujours comme d'habitude, quoi. La pièce a deux côtés, quoi. Absolument, ouais. Absolument. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est que dans un second temps que la pièce montre son vrai visage. Et là, c'est malheureusement trop tard, parce qu'une fois que tu as l'implant, ça devient beaucoup plus délicat de l'enlever. Je crois qu'il y a aussi des films qui montrent ça. Ouais. Alors dis-moi, tu, quand on parlait de Nouvel Ordre Mondial et quand on a préparé le dossier, tu voulais qu'on évoque en fait le Disclosure. Oui. Parce que le Disclosure Project, c'est quelque chose qui s'est tenu en avril, début mai. Voilà. On avait fait une émission ici. Toi, tu dis qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec ce Nouvel Ordre Mondial. Bah voilà, exactement, Bob. C'est-à-dire que en fin avril, début mai, il y a eu l'audience citoyenne de la divulgation. C'était une grosse assemblée organisée par Stéphane Bassett, à la manière américaine, si tu veux, genre congrès américain, il y avait des hommes politiques, des scientifiques, militaires, services secrets, tout ce monde-là. Ils étaient tous là à lever la main droite, dire je le jure, prêter serment pour raconter leur histoire sur les ovnis. Ouais. Et ça, c'est une réunion qui a coûté quand même $1 million à peu près, avec très grosse couverture médiatique aux USA. Donc évidemment, le milieu ufologique s'est enflammé. Ouais, génial, c'est super, etc. Mais enfin bon, après, on peut se poser des questions. Pareil, pourquoi ces gens-là se mettent à parler comme ça, en dehors des raisons d'argent? Qu'est-ce qu'ils ont été frappés tout d'un coup par la grâce, l'amour de la vérité? Et c'est des gens qui ont fait une carrière dans des officines où on leur apprend toute leur vie à faire de la désinformation et à cacher la vérité. Et tout d'un coup, ils lâchent tout s'en bloque. On peut se poser des questions, savoir d'où vient l'argent, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est juste de mettre un peu en garde les auditeurs ou les personnes sensibles à toutes ces histoires d'ufologie, c'est se demander si tout ça ne procède pas aussi de la phase 1 qui était dénoncée par Serge Monast, c'est-à-dire de la préparation des esprits à ce choc du Blue Beam, c'est-à-dire le truc Indépendance Day où tu as les vaisseaux spatiaux qui arrivent tous au-dessus des villes, etc. C'est vraiment cette réunion qui a eu lieu, même si c'est positif qu'on parle des ovnis, même si je suis sûr que certaines de ces personnes sont complètement honnêtes et sincères, etc. On peut se demander qui tire les ficelles là aussi et si c'est pas une façon de préparer, et si on n'est pas déjà dans la phase 1 du Blue Beam, c'est-à-dire la préparation de la population, à savoir, voyez, on vous l'avait dit, il y avait même des gens gradés, tout ça, avec pedigree qui vous avaient révélé l'existence des ovnis, donc vous pouvez le croire, vous avez encore une preuve de plus. Ouais, une preuve de plus. Alors tu sais que beaucoup de politiques évoquent ce nouvel ordre mondial, on se demande qui est derrière, parce que la question c'est à qui profite le crime, et puis on a pas mal de politiques donc qui évoquent depuis quelques temps maintenant ce nouvel ordre mondial, et on a quelqu'un qui a été célèbre pour ses frasques dans une certaine chambre d'hôtel, qui était un économiste brillant, qui a été le patron du FMI, Dominique
Strauss-Kahn, qui en son temps également évoquait, et d'ailleurs l'évoque toujours, hein, au gré de ses conférences, parce qu'il en fait toujours, le nouvel ordre mondial. Il dit, lui, que le monde est uni. Écoutez-le. La planète se réunit en une seule humanité. Mais le monde est un seul, le monde est uni, on est un seul peuple. Voilà, un seul peuple, le monde est uni, une humanité. Ouais. Ça, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que là, pour le coup, on voit qu'il y a un travail derrière de lobbying et que voilà, on commence à parler. C'est vrai que c'est pas anodin. Moi, j'avais eu un montage, je crois, d'une émission de télé. Je crois que c'était un zapping où on voyait tous les gens, tous les hommes politiques, le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que voilà, c'est que ça vient, ça revient, ça nous est rabâché perpétuellement, Rock. Hein. Absolument, c'est toujours, ça procède toujours de la même préparation qui est sur plusieurs phases. Et là, c'est vrai qu'il y a un discours il y a un double discours, c'est-à-dire qu'il y a le discours et puis les faits en réalité. Ouais. Ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. À qui va profiter le crime? Est-ce que c'est, tu disais tout à l'heure que c'était pas forcément les hommes politiques. Est-ce que ce sont les banques, les financiers là? Parce que à un moment donné, si on fait ça. C'est qu'il faut qu'on récupère de l'argent, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Bob, ça engagerait quasiment une nouvelle émission, je t'assure. C'est à qui profite le crime? C'est-à-dire, comment ça peut fonctionner? Hein? Qui tire les ficelles réellement? Effectivement, là, ça nous ramène au dieu, au faux dieu, à l'histoire des civilisations. Parce que peut-être que tout ça n'est qu'une boucle, temporelle qui se joue tout le temps. On nous a raconté le déluge, on nous a raconté, etc. Il y a peut-être un moment, un Matrix reload qui nous attend, c'est-à-dire ouais. Une remise à jour, le nouvel ordre mondial, c'est peut-être un départ à zéro, où on remet les pendules à l'heure, on repart avec une humanité nouvelle, et là, ça rejoint après les histoires qu'il y a actuellement dans l'actualité sur la PMA, la gestation par personne interposée, les mères porteuses, etc., qui peuvent découler dans le cadre de plusieurs décennies avec le nouvel ordre mondial, ça peut aboutir à des matrices artificielles ou avec une humanité.